Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2022. Donc il s'agit des Gémeaux en signe astrologique, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, nous allons regarder vos énergies, regarder où vous en êtes un petit peu en ce moment. Alors je vous rappelle que ces guidances sont générales, donc elles ne parleront peut-être pas à tout le monde. Bon, alors je voulais faire une coupe, eh bien elle est sortie toute seule. Donc on va regarder. La première chose qui est sortie pour vous les Gémeaux, eh bien c'est le soleil, hein. Le soleil, le coup de chance, donc ça se présente bien pour vous. Par contre, on sent qu'il y a encore un peu de conflit, de culpabilité. Il y a des choses que vous devez peut-être travailler. Donc ça, c'est ce qu'on me dit en général pour vous les Gémeaux. Mais bon, il y a le soleil, donc c'est déjà assez positif. Avec le coup de chance derrière, ça doit être, il va se passer des choses positives pour vous dans ce mois de février. Mais on sent qu'il y a encore un petit peu de conflit, de problèmes, on va dire. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce que nous disent les cartes pour vous, les Gémeaux. Alors, on parle quand même de bien-être, hein. On me parle de bien-être. Alors, une femme, la consultante, deux femmes, une autre amie. Et alors, on a là quand même deux personnes du sexe féminin, je pense. Ça peut, bien sûr, nous avons des énergies masculines et féminines, mais là, je sens qu'on a ici les Gémeaux. Bah, c'est peut-être aussi votre personnalité, hein. Les Gémeaux, vous avez deux faces. Donc là, on sent que vous avez le côté du bien-être. Vous regardez vers le bien-être, vous regardez vers la chose qui pourrait vous faire du bien, mais en même temps, vous regardez vers le côté souci, chagrin, peut-être aussi croyance. On a l'impression que en vous, bah, il y a deux personnes. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens. On dit toujours le Gémeau a deux visages. Hein, et là, on le sent bien dans votre personnalité. On sent que là, vous êtes complètement dans à l'intérieur de vous-même. Ça se bouscule. Voilà. Je vais vous dire, ça se bouscule parce qu'on a le côté je veux aller dans le bien-être, je veux retrouver ce bien-être du passé, et en même temps on a l'impression que vous allez regarder vers l'avenir en disant bah non, c'est pas terrible. Alors on va regarder un peu plus ce qui va se passer. C'est rare, hein, que les deux femmes sortent, et là pour le Gémeaux, je trouve que ça vraiment c'est très significatif. Excusez-moi, permets-moi. Bon, vous voyez, là, on a le bien-être, l'harmonie. Vous êtes en fait à cette recherche. Hein. Vous êtes dans la recherche de ça. Et là, on sent que vous utilisez vos ressources, votre énergie et votre intuition. On sent que vous êtes quand même un peu dans un conflit. Ce qu'on nous disait dans la coupe, d'ailleurs, qu'il y avait un peu ce conflit. Mais par contre, il y a quand même... On sent que, bon, les choses se présentent pas mal. Je dirais pas que c'est la grande crise. Peut-être une croyance, la spiritualité. Quelque chose qui va vous aider à vous sortir. Parce qu'on a quand même l'intuition derrière. Les énergies nouvelles qui arrivent. Donc, pour vous, il y a un petit peu du changement. Alors, on a quand même un petit peu de flou artistique. Ah, on a un monsieur qui est là. Bon, on revient vers la sérénité. Hein. Bon, on me parle d'une coupure quand même. D'une coupure peut-être avec votre spiritualité, avec vos chagrins. Moi, je le vois plutôt comme... avec votre intuition, vous allez finir par accepter qu'il faut aller de ce côté-là et moins dans ce côté-là. Et en fait, vous allez couper avec tout ça. Alors, on a un homme qui est là. Alors, on va regarder ce qu'il veut, cet homme. Si c'est un ami, si c'est un ennemi, si c'est un amant. En tout cas, il y a un choix à faire pour vous, les Gémeaux. Il y a un renouveau. Il y a le renouveau, peut-être, avec cet homme. Nouveau départ avec cet homme. Vous voyez, il y a le soleil, sérénité, soleil. On sent que là, vous repartez sur de bonnes bases. Alors, comme vous aviez coupé avec ce passé qui vous enquiquait, qui était triste, qui vous... Oui.
On sent que voilà, vous coupez avec tout ça, vous avez une espèce de révélation en fait qui va vous faire comprendre que bah il faut lâcher prise. En fait, regardez le futur, vous regardez vers un futur maintenant, on le voit là qui commence à s'ouvrir. Il y a un choix à faire pour vous. Ce choix vous mènera à un renouveau. Renouveau peut-être avec cette personne parce que on sent qu'il y avait de la recherche. Peut-être que vous avez recherché quelqu'un et que vous allez finir par le trouver. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue, mais il y a du renouveau avec cette personne. Bon, on me dit qu'il y a quand même encore des conflits. Vous êtes... Oh là là, oui, en effet. Bon. Pourtant, il y a le cadeau à la fin. Hein. Alors, moi, je pense que vous êtes au mois de février quand même dans une phase de tracas passagers. Vous vous rongez pour quelque chose qui vous fait culpabiliser, quelque chose que vous avez peut-être fait dans le passé ou qu'on vous a fait. Enfin, cette chose-là vous mine. On le sent. On le sent que c'est quand même encore là. Peut-être que ça a à voir avec cet homme qui est là. Parce que peut-être que vous recherchez cet homme pour... C'est peut-être une histoire pas finie, en fait. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on a cette histoire qui s'est finie peut-être brutalement, sans explication. En fait, on est un petit peu à la recherche de cet homme, dans le sens où la recherche de la connaissance qui est là. La connaissance pour essayer de savoir, pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez du mal à lâcher prise, et pourtant, il le faut. Il le faut parce que, vous voyez, à la fin, il y a le cadeau. Il y a la connaissance, il y a une révélation, il y a quelque chose qui va se passer en vous, qui va faire que vous allez lâcher prise. On me parle d'un voyage, d'un déplacement. Alors, il se peut que vous ayez, peut-être professionnellement, devoir faire des déplacements. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu un cadeau, ce déplacement. On a l'impression que ça va vous... et regardez, on a quand même les nouvelles. Alors, je pense que c'est par rapport à cette personne. C'est par rapport à cette personne que vous allez avoir aussi des nouvelles. Je sens que c'est quelque chose, une histoire qui n'est pas finie. Une histoire qui n'est pas bien finie et ça vous mine. Ça vous mine, ça vous coûte de l'énergie, ça vous coûte... voilà, vous êtes vraiment en deux tendances. Vous êtes dans la tendance de, bon, je veux de l'harmonie, du bien-être, de la sérénité, que tout se passe bien. Et de l'autre côté, cette histoire qui, en fait, vous mine. Voilà, cette histoire vous mine. Et voilà, on le sent, c'est... Mais moi, je vois quand même une bonne issue parce qu'on a le cadeau à la fin. On a le cadeau, peut-être que vous allez faire un voyage aussi, peut-être un déplacement. En tout cas, on a quelque chose de bon qui arrive vers vous, les Gémeaux. Une surprise. On va dire que c'est peut-être une révélation surprise, quelque chose qui va éveiller en vous le lâcher prise. Parce qu'en fait, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de lâcher tout ça. C'est ce qu'on vous dit. Pourtant, vous êtes encore un petit peu en conflit. Je vais quand même remettre une carte là-dessus pour voir un petit peu. Ah oui, regardez. On a l'abondance qui revient. Donc, il y a quand même du changement. Bon, vous vous protégez, c'est clair. Mais on sent que vous revenez dans l'abondance, dans l'intensité, dans la qualité. On sent que, bon, il y a... Ça évolue. Voilà. Ça évolue pour vous, les Gémeaux, pardon. Oh là là, je me mélange les pinceaux, hein, à force de faire tous les signes, on finit par... je ne sais plus où j'en suis là, voilà. Bon, allez. Donc ça, c'était avec le petit Lenormand. On va passer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Là, c'était... je ne sais pas si c'était vraiment le sentiment, je crois que c'était plutôt vos énergies, votre état d'esprit. Là, on va regarder ce qu'on nous dit et puis j'irai regarder, bien sûr, pour vous, au niveau de l'amour, bien sûr, ce qui va se passer. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de février 2022. Ah, vous allez avoir la clairvoyance. Hein. On a la clairvoyance sur vous et la chance. Vous voyez, bon, il y a quand même des bonnes cartes. Hein. Quand même, on dirait quelque chose. Le miroir magnétique, la trahison. Bon, alors, moi, je sens que vous avez quelqu'un toujours en tête et vous vous sentez trahi par cette personne. Ça me rappelle l'histoire non finie d'avant. On le sent bien, on le ressent là. Par contre, vous voyez, vous avez quand même le miroir magnétique, ce qui fait que vous êtes quand même attirés l'un par l'autre. C'est consultant, consultant. On sent que vous n'arrivez pas à défaire ces liens.
Des deux côtés, hein. Je pense que c'est les deux côtés. Quand cette carte sort, ça parle des deux côtés. On a un choix à faire dans votre clairvoyance. Ouais, vous êtes en ce moment encore très enfermé. Mais ça évolue. Vous voyez, ça évolue. Donc, vous êtes dans le reproche. Alors, est-ce que vous vous reprochez des choses à vous? Ça se peut être ça. Vous reprochez des faits, vous reprochez peut-être une attitude. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait des reproches. En tout cas, vous vous sentez extrêmement trahi. Mais on sent qu'il y a une évolution sur cet enfermement. Regardez ce qui se passe. Je vous sens un peu perdu. Hein. Bon, on me parle de réunion. Hein. Donc, bon. De projection même. Alors, de famille et de compromis. Alors, est-ce que... Alors, pour moi, si vous voulez, je pense que... Regardez, je vais remettre tes cartes parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui n'est peut-être pas tout à fait lié à l'amour, mais... Alors, ça peut... Moi, j'ai mis ça sur l'amour. Ça peut être aussi pour une autre situation. Hein. Alors, on a quand même le miroir magique. Hein. Donc, les souhaits, vos souhaits vont se réaliser. On sent qu'il y a un peu d'instabilité dans votre relation. On me reparle de voyage mais d'élévation et on me parle de temps. J'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui une affaire, j'allais vous dire, une affaire qui ne s'est pas réglée, quelque chose qui vous sentez trahi, ça met trop de temps. On parle de compromis, il y a un compromis qui va arriver. Il y a quelque chose. Alors, peut-être ça peut être aussi une procédure au tribunal, parce qu'il y a l'accusation. Mais ça peut être aussi une histoire avec quelqu'un. Hein. Bon, il y a la fa... Alors, ce qui va vous arriver, le souhait qui va vous arriver, de toute façon, c'est votre fa... c'est la fatalité, ça ne... vous n'y échapperez pas. C'est-à-dire, en fait, c'est votre destin. Voilà. On parle quand même de loi. Alors, moi, je pense qu'il y a aussi... un problème, ah oui, de verdict. Oui, alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Par contre, il y a la joie au bout. Alors, moi, j'ai l'impression, il y a deux cas de figure. Pour moi, il y a quelqu'un qui a une procédure en ce moment, qui n'avance pas, qui met du temps. Voilà, parce qu'on a la notion de temps ici. Elle sera en votre faveur, parce qu'il y a le verdict qui est positif, et ensuite, on a la joie derrière. Donc, pour moi, il y a quelque chose, peut-être une procédure civile. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez mis en route et qui va peut-être pour certains, parce qu'on a la famille, ça pourrait être aussi un divorce. En tout cas, il y a une histoire au niveau d'un tribunal qui ne marche pas. Ça dure dans le temps. Hein, on le sent, mais vous voyez, il y a quand même des compromis qui vont arriver et on a quand même la joie au bout. Donc, il y a une issue positive à ça. Par contre, on me parle aussi de réunion, de magnétisme. Donc, on sent que dans une relation amoureuse, il y a peut-être eu des hauts et des bas, on va dire peut-être même un peu plus de bas que de hauts. Et ça vous a mis quand même... bon, dans la tristesse, dans l'enfermement, dans l'instabilité, vous êtes peut-être même projeté avec cette personne voilà, ça s'est pas tellement terminé comme vous vouliez. Par contre, le miroir magique est là, on me parle de réunion, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même de joie à la fin, donc peut-être de relation, de mariage. Puis regardez, on a la fécondité, on a le projet qui arrive au bout et on a une ouverture. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se remettre en route pour vous, les Gémeaux.
Ça peut être l'homme qu'on a vu dans le premier jeu, hein, cette personne qui va peut-être donner des nouvelles. On sent qu'il y a, on n'a pas de retour, on n'a pas de séparation, donc c'est pour ça que je suis un petit peu. Mais on parle de réunion, donc j'ai l'impression que c'était un petit peu une histoire qui n'est pas terminée, mais qui n'est pas non plus vraiment finie, qui s'est laissée un petit peu couler. Voilà. Qui, ça y est, des gens qui d'un seul coup donnent plus de nouvelles, on ne sait pas pourquoi. On a l'impression que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Ce qui vous rend bien sûr une. Et on le sent que dans la réunion, il y aura de la projection, il y aura, vous voyez, on envisage même la famille, la joie. Donc il va y avoir des choses qui vont se décanter pour vous, les Gémeaux. Bon, alors on va les regarder au niveau sentimental complètement, hein, parce que très bien ce qu'on va nous dire avec l'oracle coup de cœur. Bon, écoutez. Allez, on va regarder la coupe pour vous, pour les Gémeaux 2022. Bon, un projet qui est quand même en gestation. On sent, mais ce projet est n'aboutit pas pour l'instant. On est en crise, on sent qu'il est stoppé. Il y a quelque chose, ça me. Alors, ce que je vous disais, on sent qu'il y a eu quelque chose de coupé d'un seul coup, sans vraiment d'explication. Et on sent que bah, ça vous met en crise quelque part, ce qui est normal parce que vous vous posez des questions. Voilà. Et on a l'impression que ce projet a vraiment été d'un seul coup stoppé, sans vraiment que vous compreniez pourquoi. C'est peut-être vous hein, aussi qui avez mis un stop et peut-être que vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez fait ça en fait. Alors, pour les Gémeaux, février 2022. On a deux qui sont sortis, on va les prendre. Bon, alors, bah, on me dit que vous allez avoir le déclic hein, au mois de février. Il va y avoir un déclic. Ah bah oui, on parle quand même d'union, hein. On parle quand même de relations. Bon, de relations où vous êtes peut-être senti trahi, mais de relations qui va repartir. Hein. Pour moi, c'est, vous voyez, le piment, ça y est, ça repart, il y a tout feu, tout flamme. Hein. Peut-être mieux qu'avant, quoi, je dirais même. Il y aura peut-être un peu de piment dans votre vie sexuelle, j'allais dire. Mais vous vous sentez quand même trahi, ce qui est normal. Ah, il y a le retour. Bon, alors, il y a vraiment le retour de cette personne. Vous aurez un choix à faire. Les Gémeaux. On parle de nouveau de déplacement, hein, ce que je vous ai dit. Peut-être que vous aurez. Et vous vous sentez perdu, ben c'est clair, parce que si cette personne revient comme ça d'un seul coup, alors qu'elle ne vous a pas vraiment donné d'explication quand elle est partie, ça vous remet un petit peu. Ben, vous sentez peut-être pas très bien dans un labyrinthe, j'allais dire, ce qui est normal. Divertissement, ce sera peut-être la chose qui va un peu vous ravivocher, j'allais dire. On sent qu'il y a quand même des choses en commun, des choses que vous aimez faire en commun. Celle-là est sortie, je la mettrai après. Ah, il y a de là beaucoup de tendresse. Hein. Alors, je pense que la personne va avoir un déclic et va revenir vers vous. Vous êtes pour le moment peut-être dans le non. Hein. Là, on sent que le choix à faire, vous êtes peut-être dans le non. Mais y a des secrets, il y a des choses qui n'ont pas été dites. On sent qu'il y a eu des non-dits et c'est peut-être pour ça que vous dites non. Et là, vous êtes en train de réfléchir. Voilà, le masculin revient. Pour moi, c'est le masculin qui va revenir vers vous. Bon, alors le non, est-ce que le non va se transformer? À la maison, ouais. De jalousie. Ouais, le consultant. Alors, si vous êtes un homme, bien sûr, c'est vous. C'est vous. Et l'énergie masculine, c'est peut-être vous qui allez revenir. Mais il y a un nom quand même qui est là. On sent que l'autre n'est pas prêt, en fait, ça. Il y a le pardon quand même. Vous voyez, il y a le pardon. Il y a l'abondance qui revient.
Il y a une déclaration. Bon, ça se. Oui. Alors, moi, pour moi, c'est l'homme, le masculin qui avait fait, qui avait coupé, qui avait coupé avec tout ça. Et on sent là, dans le retour, on sent que cette personne commence à réaliser qu'elle a fait une bêtise. J'allais dire, vous allez lui pardonner, bien que vous soyez quand même assez dans le non. On sent qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de. Bah, de soucis, de. Enfin, de. Pas de soucis, mais vous êtes vraiment dans le non, là, hein, pour l'instant. Vous avez beaucoup de souffrance, en fait. Voilà. Vous voyez, regardez, on a le projet qui s'est arrêté. Alors, vous allez peut-être couper, justement, avec tout ce qui n'était pas bon, hein. Et on me parle de visuel, hein. Alors, vous voyez, ce projet où vous étiez ensemble, où vous avez commencé, cette histoire, pour moi, qui avait commencé, elle a été coupée. Elle a été. Bon, il y a eu un break. Et là, il y a le visuel. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. La personne, je pense, qui a coupé. On me dit que c'est l'homme dans la relation qui a coupé. Eh bien, il va revenir. C'est lui qui va revenir. Bon, allez, on va retirer les trois dernières cartes pour voir. Alors, la porte s'ouvre. Alors, est-ce que vous allez l'accepter? On revient à un équilibre dans cette relation. Mais il y a quand même encore un peu de crise, ce qui est normal, parce que ça ne va pas se passer comme ça. Mais vous voyez, il y a une transformation sur la crise. Il y a une métamorphose et bah, en dos de deck, on a quand même le projet amoureux et écoutez, on a des belles cartes hein, en dos de deck. On a le projet amoureux, le projet, la progression, la lumière, la clé. Vous allez trouver la clé, voyez. Donc, on sent que ça risque, enfin, ça risque, ça va se remettre. Le chemin est long. Le chemin est long parce qu'il y a beaucoup de. Je pense qu'il va falloir avoir une discussion. À cœur ouvert, il y a beaucoup de non-dits. Voilà, il y a beaucoup de non-dits dans cette relation. Et là, il va falloir mettre les cartes sur table, comme moi je l'ai fait. Voilà. Il va falloir s'expliquer et ouvrir son cœur. Voilà, les Gémeaux, c'était votre guidance pour le mois de février. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Et surtout, ben, écoutez, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Allez, je vous retrouve pour le signe suivant, les cancers. À bientôt.